Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Les News, la chaîne d'infos sur YouTube. Alors n'hésite pas à nous rejoindre, on est déjà plusieurs milliers à suivre l'actu People tous les jours ensemble. C'est avec une énorme tristesse qu'on apprend que la série Candice Renoir arrive à sa fin. En effet, à quelques heures de faire nos adieux à Candice Renoir, Cécile Bois vient de faire une révélation surprenante. La comédienne interdisait à ses filles de voir la série. On va voir dans la vidéo pourquoi, vous allez voir qu'il n'y a rien de très méchant. Les aventures donc de Candice s'achèveront au terme d'une 10e saison très attendue. En attendant la diffusion du premier épisode de cet ultime chapitre, son interprète, Cécile Bois, revient sur son parcours avec le personnage dans une interview à retrouver en intégralité dans Téléstar. Ce lundi 9 mai, l'actrice quinquagénaire évoque notamment le tournage compliqué de cette 10e saison, placée néanmoins sous le signe du plaisir. Nous savions que nos jours étaient comptés en tant que groupe et qu'il y avait des parfums de dernière fois. L'occasion, notamment pour Candice et Antoine, d'exprimer enfin leur amour au détour d'un baiser volé. Il pourrait même y avoir du mariage dans l'air, mais on en sait toujours pas plus à l'heure actuelle. Veulent-ils garder une petite part du suspense? C'est fort possible dans cette nouvelle saison que tout le monde attend, en tout cas les fans de la série. Candice s'apprête à devenir grand-mère, une nouvelle étape dans la vie du personnage que les producteurs ont même redouté de voir annoncer à Cécile. L'actrice trouve, elle, au contraire, assez joli que la série s'achève avec le premier enfant de la fille de Candice. Cécile Bois, l'actrice qui joue Candice, est elle-même maman de deux adolescentes, a d'ailleurs confié une drôle d'anecdote au sujet de sa famille. Elle explique que ses filles, 10 ans et demi et 12 ans, regardent les épisodes avec moi depuis 2 ans seulement, car avant, dit-elle, je trouvais qu'il y avait trop de bisous avec un autre homme que leur papa. Leur papa qui n'est autre qu'un comédien aussi, Jean-Pierre Michael, que vous pouvez voir actuellement sur les photos. Cécile n'ignore pas que sa fille aînée peut aussi facilement louper un épisode de Candice Renoir s'il y a par exemple une soirée pyjama. Sa cadette, en revanche, aime beaucoup regarder sa maman à la télévision. Complice, la mère et la fille discutent souvent de la série, une conversation également partagée avec Jean-Pierre Michael, qui a un œil neuf sur la réalisation ou sur le scénario. Un point de vue d'autant plus nécessaire que Cécile Bois ne lui raconte jamais rien sur son travail. Ce qui est à 7 reste à 7, explique l'actrice, qu'on devrait très prochainement retrouver dans plusieurs productions françaises.